Bonjour et bienvenue dans cet épisode du projet Amiens dans Minecraft. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu, vous faire une petite description du serveur Amiens Visiteur. Quand vous arrivez sur le... L'IP sera dans la description. Et puis il y aura la page qui vous décrit un petit peu aussi les choses et qui vous donnera accès à la carte. Quand vous arrivez sur le serveur, vous êtes à la gare du Nord, en face de la tour Perret. Hop. Tout n'est pas encore construit. Hein. Hop, hop, hop. Et donc aujourd'hui, on va voir un petit peu les différentes façons de se déplacer sur le serveur. Déjà, l'information de base, si vous êtes perdu, si vous êtes coincé, si la commande à connaître, c'est slash trigger maison téléphone. Et ça vous ramènera ici. Pop! Un bon petit vieux TP. On est sur un serveur en aventure, donc vous ne pouvez pas casser de blocs, mais par contre vous pouvez ouvrir les portes, les coffres. Tiens, le guide du routard, ça vous donnera quelques explications. L'adresse du site si vous l'avez oublié. Là où il y a la map, c'est intéressant d'aller voir la map parce que ça permet de s'y retrouver si vous ne connaissez pas la ville. Sinon, c'est une reproduction à l'échelle 1-1 et la plus réaliste possible, avec les possibilités que Minecraft nous apporte de la ville. Donc, il n'y a pas de mobs qui peuvent pointer s'il y a des défauts d'éclairage, mais on peut avoir des problèmes de faim. Donc, ce que je vous conseille tout de suite, c'est de monter. Alors, normalement, dans les restaurants, on trouve de la nourriture, mais là, autour de la gare, il n'y en a pas partout. Mais, à l'entrée à droite, il y a frites à volonté. Il y a aussi des gâteaux, mais ils sont inaccessibles. Bon, une fois qu'on a un peu de réserve, on peut partir à l'aventure. Donc, il y a plusieurs façons de se déplacer sur la map. La première, ça va être à pied. Donc, si on veut aller à la cathédrale, bon, ben, on sait qu'il faut prendre la rue de Noyon. Alors, elle n'est pas encore faite actuellement. Les choses se font petit à petit. Mais là, on voit que derrière, la place René-Goblet, elle a été faite. Donc, après la place René-Goblet, c'est bon. On peut reprendre la rue Victor Hugo. Il y a la moitié de la rue Victor Hugo qui est faite. Sinon, on peut passer via l'hôtel de ville, prendre la rue des Trois Cailloux. C'est faisable. C'est joli la nuit. L'hôtel, lui, les gens y dorment. Si la marche à pied, ça vous fatigue un peu, il y a un petit stand de location de vélo. Des chevaux-cyclettes. Oui, il n'y a pas de vélo dans... Alors... Je crois qu'ils sont déjà équipés. Et les carottes, c'est pourquoi? C'est pour les faire avancer? C'est la disposition. Carottes dorées pour réparer le cheval. Laisse et barrières pour accrocher le cheval. Mais le problème, c'est que les barrières... Ah si, on peut les poser. Ah, c'est fou ça. Donc... Hop, viens la petite cheval. Bon, il est déjà scellé, hein. Hop, on va récupérer la laisse. Je l'ai avec moi. Ouais, hop. Bon, je sais pas si on a le droit de faire du vélo ici. Du cheval. Et ça va quand même plus vite. Place René-Goblet. Donc soit on prend la rue des Trois Cailloux, soit on tourne. Non, pas l'amiral, pas droit. Hop, on prend la rue Victor Hugo, on passe derrière le palais de justice. Ah,
Allez, avance. Hop, et on arrive à la cathédrale. Alors, il est encore plus rapide comme moyen de déplacement. C'est les élytres. Alors, je vais vous montrer un endroit où il y en a. Hop. Ouais, alors du coup. On va se faire une balade en montgolfière. Elle est costaud. Hein. Clique-le. Hop. Et on se retrouve dans celle qui est en haut. Hein, il y a une montgolfière. Là. On était là tout à l'heure. Hop. On se retrouve dans celle qui est en haut. Ce qui nous permet. Alors attention de ne pas tomber là, hein, de voir la cathédrale de haut. Bon, et ici, la direction décline toute responsabilité. Hop, on a gagné une paire d'élytres. C'est un bug. C'est un bug du serveur. Oh non! Oh non! Bon, ben on y retourne alors. Dernière mort. Oh ben alors ça, c'est la meilleure. 750 mètres. C'est pas très loin, dis donc. C'est pas très loin. On est à l'échelle 1, hein, donc c'est le truc normal. Bon, quand on tombe de cheval, il faut remonter. On peut redescendre, hein, et par ici. Il y en a qui sont lâchés, hein, et qui ont écrit en picard. Mais comment j'ai fait mon coup? Allez, hop. Deuxième essai. Ah, c'est mieux. On peut aussi grimper dans l'hélicoptère qui est ici. Et je vais vous montrer. Où trouver des fusées parce que des élytres sans fusée. Alors attends, je suis où? Il faut retourner à la gare à Amiens 2. Hop 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 hop. Oui, il faut faire le tour de l'entrée du parking. Il y a un petit magasin dans la zone commerciale. Si jamais tu as des élytres, ce magasin est pour toi. Hop. Bah ça c'est... Enfin, j'ai pris cher. Va falloir que je trouve de la nourriture, moi. Il doit y en avoir dans le centre commercial. Y a qu'à boire. Ah si, y a du gâteau. Gâteau. Des fois, y a des... Des fois, il y a des boutons et des distributeurs. Ils n'ont pas été chargés là. Ah, ça, c'est pas bien. Ah, ça, c'est pas bien. Il y a juste un gâteau. Mais on va mourir. On va arrêter nos bêtises. Je vais vous montrer donc la dernière possibilité pour aller vraiment dans les coins très reculés. Et si on ne veut pas utiliser les élytres. On est à la gare. Je vais vous montrer la dernière possibilité de se déplacer rapidement sur la map. C'est ami du RP, fermez les yeux. Hop, téléphone, maison.
TARDIS. Tatatin. Faut que j'enlève ma dernière mort là, c'est pénible. Hop. Donc ça permet d'aller, alors déjà de retourner à la gare, mais d'aller au musée de Picardie, aux ortillonnages, dans les ortillonnages, hein, les marais, au musée des ortillonnages, qui est un peu plus au nord, du côté de Rivry, au parc zoologique, à l'aérodrome Amiens-Glizy, vraiment des coins loin où y a pas de bus, maison d'arrêt. Ah oui, je vous ai pas montré les bus. Ah bah c'est pas le dernier truc, c'est... Ah zut, j'ai tout fait à l'envers. Les archives départementales, etc. etc. Des zones faites dans Amiens Nord. Hop. Donc par exemple, si on veut aller au parc zoologique, on a sélectionné, hop, on prend la sortie et on se retrouve au zoo. Cool. Et on n'a plus qu'à aller le visiter. Tranquillou. Petit îlot de verdure, hein, du côté de la Haute-Oie. Et quand on veut revenir, alors c'était une cabine téléphonique pour être plus discret qui était à la gare, mais ici on a carrément la vieille boîte de police. Hop, il suffit de s'approcher, de la toucher, et hop, on revient ici. Donc on va retourner à la gare, hop, et je vais vous montrer les bus. J'aurais dû commencer par là, mais c'est pas toujours facile. Donc là, il faut regarder la carte. Et vous voyez sur la carte les lignes de bus colorées, c'est les lignes de bus qu'on a représentées. Et les points noirs, c'est les points où on peut aller. Par exemple, imaginons qu'on veut aller à la cathédrale. Donc c'est le point 1. En fait, l'arrêt, c'est soit le beffroi, mais c'est plus simple d'aller au palais de justice. Donc ça va être la ligne, alors soit la ligne bleue, soit la ligne vert foncé, mais en fait c'est la ligne vert foncé qui le dessert. On voit que en fait le trait noir est plus sur la ligne verte. Et donc il faut se trouver la ligne 7 dans ce sens-là. Alors ouais. Les bus à Amiens, c'est un peu compliqué. Donc le 7, parce qu'il y a plusieurs pôles. Il y en a un là-bas, il y en a un là-bas, il y en a un là, il y en a un là-bas, et il y en a un là-bas. Allez, je vous vends la mèche, le 7 il est là-bas. Comment ça j'ai triché? Non, je dis pas de bêtises, le 7 qui se dirige vers le CHU Amiens Picardie. Donc hop. Ah. Faut choper le coup. Hop. Prochain arrêt palais de justice. Donc je passe sur la trappe. Et hop, j'arrive. Je suis toujours dans le bus, mais je suis à l'arrêt palais de justice. Donc on a le palais de justice qui est là, le logis du roi. On peut aller retourner vers l'hôtel de ville par là, et là, on a notre fameuse cathédrale. Et donc alors le bus retour, comme c'est en sens unique, la circulation, il va être, ouais, c'est plus compliqué. Il va être à l'hôtel de ville en fait. Il va être de l'autre côté là-bas. Mais bon, en se baladant, on arrive à s'y retrouver. On peut utiliser un peu tous les moyens. Et si jamais on est vraiment perdu, qu'on va mourir de faim, non pas slash maison, slash trigger. Maison. Hop, et on se retrouve ici. Faudrait que j'aille reprendre un peu à manger, moi, si je veux pas mourir. Et on est revenu à la gare. Hop, hop, hop. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation vite fait des différents moyens de se déplacer sur le serveur visiteur du projet Amiens dans Minecraft. Il y aura peut-être d'autres vidéos, hein, où je vous montrerai les constructions. On verra, on verra, on verra, on verra. En attendant, eh ben, je vous souhaite une bonne visite et puis à la prochaine. Allez, salut!